jusqu'à 9h. Good morning business. Et à 7h22, c'est Fleur Pellerin, désormais présidente et fondatrice de Corelia Capital, qui est avec nous. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. On va parler évidemment de votre fonds d'investissement, parce que vous avez un pied entre l'Europe et l'Asie, et ça nous intéresse beaucoup de savoir comment les arbitrages sont rendus aujourd'hui. On va parler évidemment de l'entrepreneuriat féminin, car vous êtes associée à un beau programme, Sistabold. Mais on va commencer quand même par un peu de macro. Vous avez été chargée par des investisseurs, notamment sud-coréens, d'investir en Europe. Quelle est aujourd'hui leur perception de l'Europe après plusieurs mois de crise sanitaire? Alors, c'est une relation que j'ai nouée avec un partenaire coréen qui s'appelle Naver, qui est une très très belle entreprise de l'Internet en Corée, une belle success story, 45 milliards de market cap à peu près créé en moins de 20 ans. Donc, c'est vraiment très 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 beau. Et eux ont décidé en 2016-2017 d'investir en Europe parce qu'ils avaient la foi dans l'entrepreneuriat, dans l'écosystème tech européen. D'ailleurs, vous avez investi dans Vestiaire Collectif cet été? Absolument. Et j'avais investi auparavant dans Devialet, notamment en France, dans Ledger, enfin beaucoup de belles boîtes de la French Tech. Je pense que cette foi dans la richesse de l'écosystème européen, elle est intacte, elle existe toujours. Et d'ailleurs, on est en train de lever un fonds successeur et nos investisseurs Naver historiques ont décidé de remettre 100 millions d'euros dans le prochain fonds. Donc c'est un bel acte de confiance, pense. Mais c'est vrai que la crise actuelle rend les choses un peu compliquées, qu'il y a eu des décisions qui ont été gelées pendant l'année 2020. Je ne sais pas quand les vannes vont se réouvrir en 2021. Donc pour les investisseurs asiatiques, c'est vrai qu'il y a probablement un petit attentisme à prévoir dans l'année 2021 vis-à-vis de l'Europe. Alors on va se dire des choses franchement, c'est parce qu'ils sont un peu critiques et sévères sur la manière dont l'Europe a géré cette crise sanitaire, contrairement par exemple à la Corée du Sud, qui a eu effectivement une gestion assez exemplaire. La Chine, c'est plus incertain parce qu'on ne sait pas tout sur ce qui s'est passé en Chine, mais j'imagine que vu de Corée, la gestion de l'Europe est un peu désastreuse, non? C'est vrai qu'on a lu pas mal d'articles récemment qui disaient que dans cette période, finalement, le centre de gravité de la puissance économique, diplomatique mondiale s'était un peu déplacé vers l'Est. Parce que c'est vrai qu'on a vu des façons de gérer la crise assez différentes. Moi, j'étais en Corée du Sud il y a un mois, j'ai réussi à y aller, donc c'était pas très fluide comme façon de voyager. Mais enfin, j'ai réussi à y aller et effectivement, c'est extrêmement bien géré. Il y a eu moins de 500 morts depuis le début de la pandémie, il n'y a pas eu de confinement, il y aura une récession extrêmement limité probablement à 1% du PIB. Donc c'est vraiment... Et c'est la même chose à Taïwan, à Singapour, dans un certain nombre d'autres pays de la région. Mais enfin, la Corée a une population qui est proche de celle de la France, donc c'est plus comparable que Taïwan ou Singapour. Et donc, effectivement, de leur point de vue, je pense qu'il y a, pas forcément un lien direct avec la crise, mais en tout cas, une volonté peut-être d'investir plutôt dans la zone proche, la zone géographique proche, où on voit beaucoup de potentiel. Le Vietnam, l'Indonésie sont des économies qui booment en ce moment, qui sont en forte croissance. Et donc, probablement, pour des investisseurs, c'est plus rassurant de se dire j'investis dans des économies qui ont des taux de croissance de 3, 4, 5% et qui sont plus proches de moi où je peux mieux contrôler les choses. Vous êtes aussi l'un des mentors du programme donc Sistabold, créé pendant la crise et qui vise à aider les entrepreneurs. De quoi il s'agit? Expliquez-nous. Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est un superbe programme qui a été monté effectivement par Veuve Clicquot d'une part et Sista. Donc, Bold, c'est le nom d'un prix qui est remis depuis 1972 par Veuve Clicquot aux femmes entrepreneurs. Donc, je crois qu'il y a 350 femmes qui ont été distinguées depuis l'origine du prix. Et c'est vraiment un programme pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin qui en a bien besoin. Et, il a souffert plus que le... Pendant la crise. De manière générale, les femmes, les entrepreneurs sont plus touchés, sont plus concernés parce qu'il y a la double journée, parce qu'il y a des problèmes d'accès au financement. Donc c'est vrai que c'est un public déjà un peu défavorisé dans l'entrepreneuriat, mais plus fragile quand il y a des retournements de cycle, etc. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un sondage qui a été fait par Odoxa en partenariat avec Bold qui explique bien que l'envie d'entreprendre s'est amenuisée, et notamment chez les femmes. Elle est beaucoup moins forte depuis un an parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de risque probablement et puis une inquiétude face à un avenir incertain. Mais donc c'est un beau programme de mentorat qui vise à aider les femmes entrepreneurs à répondre à leurs questions qui peuvent aller de choses très quotidiennes, gérer les ressources humaines, gérer la croissance, aller chercher un financement auprès d'un banquier. Et en fait, pour être passé par là, je me rends compte que on manque un peu de... Effectivement, quand on a un entrepreneur, pas seulement une femme, mais quand on a un entrepreneur, on manque parfois de personnes
personnes avec qui on peut échanger et à qui on peut poser des questions très simples, mais auxquelles on n'a pas forcément soi-même seul les réponses. Et donc 100 experts ou expertes, d'ailleurs peut-être expertes, vont offrir 1000 heures de coaching effectivement à des entrepreneurs qui ont envie de s'investir et qui ont besoin, qui se sentent seuls. Parce que quand on voit dans ce sondage au Doxa, ce qui est très frappant, c'est que le sentiment qui prédomine, c'est la solitude. Moi, je crois que c'est 78 ou 80% des gens qui se sentent seuls face aux décisions à prendre, face aux choix à faire. Et c'est vrai, je comprends très bien ce que ça peut représenter. Moi, j'ai déjà été en contact deux fois, enfin, c'est une idée très simple, hein, mais qui marche bien, avec deux entrepreneuses qui sont à des stades très, très early, très tôt dans leur vie d'entrepreneuse, et qui montent des business qui n'ont pas forcément à voir avec la tech d'ailleurs, mais qui sont contentes, je pense, de pouvoir échanger et puis après de pouvoir bénéficier d'un réseau, de conseils. Fleur Pellerin, quelque chose qui est très frappant en France, hein, vous le dites, mais c'est vrai, la faible proportion d'entrepreneurs féminins, notamment dans la French Tech, où regardez, le Next 40, ils ont été incapables de trouver plus d'une chef d'entreprise parmi les 40 étoiles prometteuses de la French Tech. Donc est-ce que c'est la même chose en Asie? Est-ce que l'entrepreneuriat féminin a du mal aussi, ou bien au contraire, et on a peut-être besoin d'aller là-bas pour comprendre pourquoi? Alors en Asie, ça dépend des pays. En Corée et au Japon, je pense que c'est pire que pire qu'en France. Bon. Mais dans des pays comme Taïwan, par exemple, il y a beaucoup plus de parité dans les milieux financiers, dans les milieux entrepreneuriaux. Donc ça dépend un peu. Pour ce qui concerne la France, moi, c'est vrai que dans la French Tech, c'est encore pire, je pense, que dans l'entrepreneuriat en général, parce que les gens qui sont des créateurs d'entreprises dans la tech sont souvent des gens qui ont des formations d'ingénieurs. Et quand vous regardez les populations dans les écoles d'ingénieurs, ça progresse, bien sûr, mais vous voyez bien qu'en fait, les femmes qui arrivent à l'âge de pouvoir créer une entreprise, elles sont encore rares à suivre ces formations, et donc c'est aussi un problème de vivier. Je déteste cette excuse, mais elle est réelle. Et donc la foi que j'ai dans l'avenir, c'est quand même que je vois arriver, moi, sur le marché du travail, des entrepreneurs, des fondatrices, des financières, beaucoup de financières qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont des jeunes femmes extrêmement talentueuses. Certaines commencent à créer leurs fonds, certaines commencent à devenir des partenaires de fonds. Et donc, on a finalement un renouvellement de génération avec beaucoup plus de femmes qui arrivent dans ces métiers. Finance, les deux sont importants, finance et... parce que les financiers sont ceux qui choisissent, de la guerre, qui bien vont sûr. Venir soutenir. D'ailleurs, il y a des fonds spécialisés créés par des femmes pour investir dans l'entrepreneuriat. Absolument, féminin. Absolument. Et nous, par exemple, pendant le confinement, chez Corelia, on a décidé d'entreprendre cette démarche qui s'appelle Diversity VC, qui est un label visant justement à nous imposer à nous-mêmes une politique de diversité, nous en tant qu'entreprise, mais également à la façon dont on gère nos relations avec les entreprises de notre portefeuille ou dont on fait nos investissements. Donc c'est en train progressivement de changer, et j'espère que dans quelques années, il y aura beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Un dernier mot, même si on n'a pas le temps, l'ancienne ministre de la Culture, comment elle voit ce secteur aujourd'hui? C'est surtout la citoyenne. Je suis très triste je suis en manque. Je suis en manque. Et donc j'espère qu'on pourra bientôt, comme dans les centres commerciaux ou dans le métro, retourner dans les cinémas et les théâtres. Merci Fleur Pellerin, présidente fondatrice de Corelia Capital, d'avoir été avec nous ce matin.